الخاوة اللي بيناتنا تعلينا تقوينا تقربنا الخاوة بيبول أورانج. On va pas être nombreux, mais on va gagner. Donc c'est ce qui compte. J'espère qu'ils vont être confiants, mais pas trop, pour pas être partir gagnant, et qu'ils vont tout donner sur la fin pour qu'on puisse ramener la coupe à la maison de nouveau. It will be a 3-1 for Argentina. One of Julian Alvarez, two of Messi, and one for Mbappé. I don't know, I don't mind. La France va souffrir, mais finalement être assez tranquille comme contre l'Angleterre, et je vois le même score que contre l'Angleterre 2-1. Ah, il le veut, mais il le voulait en 2006, en 2010, en 2014 et en 2018, et il n'a pas réussi. Donc bah, il va remettre ça, et l'a loupé, et louper sa dernière Coupe du Monde. Ne pas la gagner en tout cas. Well, we are hoping Argentina to win. The score will be France 1, Argentina 2, so hope they are going to win today. The best player of the game, Messi, and also Julian Alvarez. He will score. Just hope that Argentina wins. I don't know like the score, but I hope that they get like 2-1. But we're here for Argentina. Moi, je pense vraiment qu'il va y avoir une ambiance de dingue, mais du côté argentin. Et nous, on sera là pour crier pour la France. Et je dis que le meilleur gagne, mais alors vraiment. À la régulière, mais la France va gagner. Parce que là, je pense qu'on a dit dans l'équipe, attention, Coupe d'Europe, on croyait que c'était bon, puis c'était pas gagné. Et là, ce que fait Griezmann, mais je sais pas si vous avez vu la demi-finale, mais c'est incroyable, c'est pas possible pour un seul homme, quoi. C'est magnifique ce qu'a fait Griezmann. Et Mbappé, il va marquer aussi, là. Moi, c'est 3-1 pour la France. Ah, toujours un peu de stress, mais avant chaque match, il y a un stress, donc... Depuis les matchs à élimination directe, en ce qui me concerne, c'est le stress dès le jour du match. Ah, forcément difficile, comme toutes les finales. Mais on a réussi il y a 4 ans, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à nouveau aujourd'hui. Un match très difficile, très tactique, avec bien évidemment Lionel Messi qui canalise toute l'opinion mondiale. Il veut gagner cette Coupe du Monde, ça sera certainement sa dernière. Et des Français qui ne sauront pas de réussir... Deux fois d'affilée, donc qui veulent égaler le Brésil. Donc match ouvert, difficile, mais à pronostic, je pense que la France va gagner. Il y a un peu de stress forcément, parce que bon, les supporters sont beaucoup plus nombreux pour l'Argentine. Maintenant, on reste confiant. Je pense un petit 2-1 ou un 3-1, ça peut le faire pour la France. Mbappé, on aimerait bien. Allez, un Giroud et Griezmann quand même, ouais. Pour la Coupe du Monde qu'il a faite, ça serait mérité. I think it will be 1-0 for Argentina. It will be a tough game, very difficult.